Alors bonjour à tous. Donc on a pris effectivement l'angle culture et communication. Le lien a été très bien fait tout à l'heure effectivement par l'atelier précédent qui dit qu'au niveau culture scientifique finalement de belles choses sont faites et passent dans le grand public peut-être un peu mieux. Et là on va voir plutôt l'angle de la biodiversité par rapport au Muséum d'histoire naturelle du travail de Brigitte Rollier. Vous savez tous qu'on est encore dans l'année de la biodiversité, avant de passer l'année de la forêt. Et là, justement, on constate que l'état de la planète révèle plutôt une accélération de la diminution des espèces. Et on va voir comment la culture interfère pour faire passer ce message. Alors tout d'abord, Brigitte Rollier, comment est-ce que c'est déjà difficile ou facile de communiquer sur la biodiversité ? Oui, d'abord, on est dans un sujet très complexe. Hein. D'ailleurs, on peut voir que dans l'appellation de l'année de la biodiversité, puis l'année de la forêt, on parle de la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tout et en même temps un sujet plus précis. On se rend compte que c'est d'autant plus difficile que je mets au défi qui compte ici d'essayer de résumer ce qui s'est passé à Nagoya. C'est là où on se rend compte que la problématique telle qu'elle est définie de la biodiversité nécessite une espèce d'inventaire qui va faire appel à des tas de référents, mais des inventaires finalement à partir d'une phraséologie qui est très difficile à intégrer. Je vais vous faire la lecture des quatre premières phrases que l'on sert un peu dans tous les congrès et pour vous donner un peu une idée de ce que nous on a comme fond de commerce hein, en tant que muséum et qui nous fait des difficultés. Alors, la biodiversité constitue un patrimoine naturel. Bon, déjà, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, c'est une ressource vitale pour toute l'humanité. On est dans des phrases d'ampleur. La Terre abrite une extraordinaire diversité biologique qui inclut non seulement les millions d'espèces qui habitent notre planète, mais aussi la diversité de leurs gènes. Là, il y a des gens qui commencent à décrocher. Physiologique et comportement. Le gène, la physiologie, le comportement. La multitude des interactions écologiques entre elles. Là, déjà, on arrive à une sphère difficile. Et avec leur environnement physique. La variété des écosystèmes complexes qu'elle constitue. Donc on s'aperçoit qu'on imbrique une succession de concepts d'emblée, même des gens qui ont un certain bagage ont du mal à accrocher. Cette biodiversité, le produit de plus de 3 milliards d'années d'évolution, constitue un patrimoine naturel et une ressource vitale dont l'humanité dépend de multiples façons. Quel programme, mais on a tout compris. Même ici, je crois qu'il nous faut relire plusieurs fois pour ne pas oublier finalement cette logique. Hein. Ce n'est pas juste une accumulation un petit peu itérative, c'est vraiment complémentaire. Donc voilà, c'est très difficile de communiquer là-dessus. En même temps, en tant que muséum, donc je vais parler un peu d'institution, il s'avère que notre fonds de commerce, c'est la biodiversité. Donc, ça nous a même pesé beaucoup dans l'image négative. Mais nous dépendons, par exemple, du ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Éducation nationale. Nous avons la double tutelle. C'est pas rien. Donc, en moyennant quoi, nous n'avons aucune aide ni aucune directive. Donc, chaque muséum en France, il y a une soixantaine, est à peu près indépendant au niveau donc, de des programmes de diffusion des objectifs. Donc, partant de là, on se rend compte, finalement, qu'on a un rôle dans la société, parce qu'il y a une vision aussi, donc un contact avec la société, mais en fait on a une institution, on va dire rapidement, qui est composée d'un centre de recherche, qui s'appuie sur les collections, qui les enrichit, qui les étudie, qui les met à disposition, un espace, on va dire, de communication institutionnelle, qui est l'exposition, qui va mettre en scène les objets, et un autre pôle d'activité, ce qu'on appelle le pôle de médiation culturelle, pour permettre justement de créer l'interface avec l'extérieur. Donc, en deux mots, et encore une fois, un muséum, par la loi Musée de France, a dans ses missions de base, conserver, diffuser et accueillir le public. Au sein même du muséum, donc vous avez dit, il y a une CMU qui s'occupe, qui est chargée de la communication. Alors, justement, à cause de la difficulté des thèmes et avec aussi la question de la crise qui se profile et des interrogations très angoissées du public, c'est vrai qu'on a de plus en plus la nécessité de mettre en place des pôles d'activité ou des éléments, des outils de type ce qu'on appelle la médiation culturelle. Alors c'est un vaste mot, c'est un terme finalement qui est récent, mais qui correspond à tous des postes qui relèvent
de ce qu'on appelle de la filière culturelle, qui permettent finalement de créer une interface à travers des outils, des médias, à travers des événements, de pouvoir finalement mettre en contact les chercheurs, pas que les nôtres, on a des chercheurs chez nous, on a des chercheurs qui travaillent sur les plantes, les insectes, qui font un travail souvent d'inventaire, mais aussi d'état des populations, et en même temps de pouvoir fournir au public, puisque nous sommes un service public, donc avec cette mission de base, des éléments pour comprendre la complexité, mettons, de la biodiversité, la richesse et les menaces, puisque c'est le thème de l'année. Donc c'est un service qui est mis en place avec un profil type, qui n'est pas celui qui fait la visite du musée, c'est un profil qui a une formation très particulière au niveau du musée de France. On a l'obligation d'avoir des formations justement dans ce type d'activité. Alors, le problème, c'est qu'on sait tous que le muséum d'histoire naturelle, ça nous fait quand même penser à une image d'un monstre un peu poussiéreux et qui, forcément, détient une mémoire, détient quand même une belle connaissance de tout ce patrimoine naturel. Et comment il va prendre sa place dans la communication sur la biodiversité? Voilà, donc on est vraiment dans une... On a un gros déficit d'image parce que, sans doute un peu l'expérience de chacun, on a un déficit qui est lié finalement à l'ancienneté de l'institution qui nous a pendant longtemps nui et qui maintenant revient un peu sur le devant de la scène, mais qui, en fait, cette image de passéiste, poussiéreuse, n'ayant que des animaux morts, parlant d'un passé révolu, finalement, on revient sur le devant de la scène parce que justement, l'évolution justement des menaces et de la richesse de la biodiversité font qu'on a besoin de références par rapport à une période, par rapport à il y a 50 ans, il y a 100 ans, donc notre établissement est là depuis 200 ans. Et on se rend compte finalement que ce rôle qui a été un petit peu mis de côté pendant quelques temps est à nouveau au centre de toute la problématique, puisque pour ce qui est biodiversité, si on ne peut pas comparer ce qu'on avait hier ou avant-hier, on ne peut pas savoir si aujourd'hui les menaces sont réelles ou quelles sont les évolutions possibles, et même de la même manière de pouvoir se projeter dans le futur. On s'est constitué finalement un petit peu discrètement, j'allais dire clandestinement par rapport aux politiques, par rapport à notre ministère, finalement comme un détenteur de collection. Et depuis quelques années, l'université, dont tout ce qui relève de collecte d'échantillons, eh bien donc ne gère plus sa mémoire et dépose chez nous toutes ces références de collection. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Parce qu'il y a des problèmes de place, il y a des problèmes de priorité, il y a des nouvelles thématiques sur la biologie moléculaire qui a fait que cet établissement, ben finalement, il est resté la mémoire, bon, peut-être un peu poussiéreuse, mais de moins en moins passéiste et de moins en moins archaïque. Alors justement, comment le Muséum d'Histoire Naturelle va s'adapter pour rendre ces sciences naturelles attractives? Ah oui. En termes de communication, il y a différents niveaux de communication. On parlait tout à l'heure des moyens, des outils. Ben nous, on a des cibles. On a des cibles parce qu'il y a des questionnements existentiels qui interpellent beaucoup la population. D'abord parce qu'il y a des espèces invasives, par exemple. Tous les jours, on a sur le net, j'ai telle bête chez moi. Est-ce que c'est un frelon? Est-ce que c'est le frelon asiatique? J'ai un gros nid. Qu'est-ce que je fais? Je dois appeler les pompiers. On a vraiment une espèce de réponse immédiate à des urgences. Il y a des méduses, qu'est-ce que je fais? Je me suis fait piquer. On voit vraiment que ça interfère sur des questions, finalement, que ben, on ne peut pas forcément trouver sur Internet. Et on envoie la photo de l'insecte, ou voire on envoie les gens qui viennent avec la bulle sur le bras en disant « le dermatologue m'envoie parce qu'il n'a jamais vu ça ». On est dans un questionnement, finalement, qui touche autant dans le quotidien. Et qui montre cette ouverture et à la problématique du quotidien de ce musée ancien, encyclopédique. On est devenu finalement un lieu de toutes les angoisses liées beaucoup à cette problématique de la biodiversité, mais sur le devant de la scène à travers les médias comme les journaux. Comment vous l'expliquez ça? Parce que ça révèle quand même un malaise, ça révèle que les gens ne sont pas assez cultivés peut-être sur les sciences naturelles, il y a des manques, des freins. Je pense qu'il y a effectivement divers trains d'information. Nous, on ne travaille plus du tout pareil qu'il y a 20 ans parce que maintenant il y a Internet. Avant, on faisait des expositions, on va dire, encyclopédiques, on travaillait sur toute une approche, disons, fondamentale. Maintenant, on répond effectivement à des questionnements qui sont de l'ordre de la crise. La crise, on en a parlé tout à l'heure, on est dans une communication de crise, on est dans une angoisse très importante de la part des gens, donc c'est vrai que ça nous oblige finalement à essayer de comprendre le bagage que l'on peut fournir
Et à travers cette approche, comment faire passer le message de la complexité, parce qu'on est dans un message complexe. Mais il manque justement cette transmission qui avait lieu dans les familles, qui alors avait voilà. lieu dans les encyclopédies. Donc on peut dire que il y a complètement une modification de comportement et de transmission de la connaissance. Culturellement, on peut dire qu'on hérite pratiquement de plus rien. C'est-à-dire avant, il y a plusieurs générations dans la même maison, qui vivaient dans les campagnes, qui transmettaient un savoir et qui le faisaient savoir. Donc c'est vrai que là, pratiquement, on peut dire que la cellule familiale a éclaté pour des raisons liées à la vie urbaine. Ensuite, l'absence de référence à la biodiversité dans le milieu urbain, puisque pratiquement la moitié des gens vivent dans les villes. Et ensuite, donc, un surplus d'informations extraordinaires par la télévision et par Internet. Donc c'est vrai qu'on est dans une espèce de paradoxe où finalement, on est au courant de tout, mais on comprend de moins en moins. C'est-à-dire qu'on arrive à ce paradoxe. Et on retient de moins en moins. Et surtout, c'est beaucoup travailler sur la peur et l'angoisse, parce que ben, c'est sans doute aussi des sujets qui font bien vendre dans la presse locale. Hein, on va voir un peu les titres, hein, l'alerte par rapport aux moustiques tigres qui se sont passés à Nice. Il n'y a qu'à voir la façon dont c'est fait. Il n'y a qu'un seul journal local. Il l'a traité de façon. Tout est axé sur la genèse de la peur et de l'angoisse. Donc il y a ce domaine-là dont on doit parler et qui relève de cette bagage culturel dont on est un peu dépossédé par le mode de vie. Alors justement, on va voir les moyens par rapport à cette communication que vous devez fournir. Par quoi vous passez ? Alors, la médiation culturelle, c'est un vaste mot. On peut dire que l'outil muséum est déjà un média à travers le site internet, on verra ce que ça veut dire aussi, le site internet, et à travers ce qu'on appelle une exposition. Exposer, c'est pas juste mettre des objets les uns à côté des autres et mettre une étiquette dessus en expliquant ce que c'est. C'est une scénographie, c'est une théâtralisation du texte, et beaucoup d'événementiels. D'ailleurs, il y a Gilles Bonguert, il était là tout à l'heure, voilà, qui montre un petit peu avec l'organisation de ce qu'on appelle des festifs, d'événementiels, comment on peut créer des moments privilégiés pour permettre de prendre en compte finalement toute une élagie. Il est allé fumer sa clope et tout le monde s'en est aperçu. Et donc cette série de contraintes, on parle de la. J'ai parlé de toi Gilles et de la chasse au trésor, c'est dommage. Voilà, donc, et c'est vrai que c'est un exemple parmi tant d'autres, à travers 5-6 fois par an, ce qu'on appelle nous des moments forts. Il y a la nuit des musées, il y a les mars au musée, il y a la nuit des chercheurs, il y a la fête, les journées du patrimoine, il y a la fête de l'environnement, et il y a, je vais l'oublier, et il y a la science que j'ai oubliée. Donc ils nous mettent dans une espèce de rythme de rendez-vous un petit peu systématique avec le public et dans lequel on voit apparaître des fidélités incroyables où les gens finalement viennent pour pouvoir se réapproprier, mettons, les collections qui sont dans les réserves, vouloir rencontrer des chercheurs, parce qu'il y a nos chercheurs qui sont là ce jour-là aussi pour expliquer pourquoi toutes ces bêtes alignées, pourquoi des insectes rouges, pourquoi des insectes qu'on ne voyait plus, qu'on voit maintenant, pourquoi la disparition. Et donc ces moments un peu d'échange, de partage, s'appuient vraiment aussi sur la contextualisation, on parlait tout à l'heure de l'information, de la contextualisation, et surtout de pouvoir distinguer les différents bagages culturels de chacun, les familles qui viennent. Le bagage culturel, c'était le thème de notre exposé. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est un thème finalement qui est transpire à chacune de nos opérations. Et dans la médiation culturelle, maintenant dans les nouveaux musées, le nouveau muséum de Toulouse qui s'est mis en place, qui est un musée, disons, on va dire, de dernier cri, ils ont mis en place 150 postes de médiateurs culturels. Sur un personnel, donc je ne sais pas si vous voulez 150 postes, c'est énorme. Donc la nouvelle communication passe bien par ces nouvelles médiatiques. Par ces nouvelles techniques, cette nouvelle façon d'approcher qui vraiment met en scène, provoque une expérience, j'allais dire, extraordinaire chez le visiteur qui va pouvoir à un moment donné être au centre d'un apport d'informations. Il se sent concerné du coup, le visiteur, il va recevoir l'information. Nettement mieux. Voilà, d'abord il pourra peut-être poser ses questions, même si on n'y répond pas, et on va s'apercevoir que les questions sont très vastes, hein, ça part du. Finalement, et Adam et Ève dans tout ça, donc ça fait partie des questions de base qu'on prend. C'est un. Différentes valeurs hein, qui ressortent. Les valeurs, l'enseignement, la transmission des valeurs,
Et je crois que la notion... Les peurs personnelles aussi. Les peurs personnelles. Les peurs personnelles, tout ce qui touche la santé, l'alimentation, c'est très difficile de réviser déjà ou revoir un petit peu ces